travail de Pinus bourracifolia, JP, c'est ça? Tout à fait. Un cultivar exceptionnel. Ouais, exceptionnel, j'ai pas d'autres adjectifs. Qu'est-ce que tu fais dessus? Du coup, il y a eu les filles qui ont été enlevées un peu prématurément. Et c'est pas grave, hein, mais. C'est pas grave, Alexis. Et les branches, elles ont été vachement remontées. Du coup, ça faisait un peu comme celui qui était là, là, où vraiment tout était remonté. Et donc là, il tombait juste un petit peu de fil. Celui-là, c'est aussi un bourracifolia, mais première génération. Et ça, c'est bourracifolia deuxième génération. Donc là, je remets un petit peu de fil pour qu'il ait... qu'il soit un petit peu plus élégant et présentable pour ce week-end. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Je crois qu'il y a une expo, mais je suis pas sûr. Hein. Ouais, ça, bon, ça se dit. Ça se dit discrètement. En fait, quand la vidéo sortira, elle aura déjà eu lieu. Donc là, on est avant Bonsaï Culture Expo et on est dans l'atelier des bonsaï du parc floral et JP donc prépare les arbres parce que je pense que les gens viendront quand même visiter la collection permanente, même si l'événement se passe pas ici. Et on est accompagné de Yusuke. Yusuke Yamamoto, our guest star, qui regarde JP, you looking JP's work. He works well. He's good. He's good. Ok. Bon, bah écoute, t'es validé, JP. Et donc, l'idée hein, avec cet arbre-là, enfin, ces deux arbres-là, une fois que tu auras fait la mise en forme, enfin, refait la mise en forme, parce que là, tu baisses vachement les branches. Ouais. Après, tu vas un peu les laisser tranquillement se développer pour qu'il y ait un peu plus de feuillage ou il y a autre chose de plus? Oui, bah, en fait, je crois que cette année, j'avais juste taillé légèrement, j'avais plus désaiguillé. Ouais. Et cette année-là, vu qu'en plus il a été. Je crois qu'on l'a rempoté cette année. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, le pot est super. Dans un pot en plastique. Oui, qui était un peu moche. Ouais. Donc après, voilà, c'est pas un arbre exceptionnel à la base. Donc là, vraiment, il est en train de prendre de la gueule. Et, ouais, ouais. Et ça va être de mieux en mieux. Et donc cette année, ça va être sûrement la taille des chandelles, le Mekiri. Mm. Si tout se passe bien, il fera. Et donc le pin noir d'Autriche, qui est une espèce européenne, tu penses qu'on peut arriver à avoir un feuillage conséquent? Ouais, parce que du coup, il est quand même équivalent au pin noir japonais. Il a, c'est pas tout à fait la même vigueur, il y a des petites subtilités, mais on peut faire le même travail en fait. Donc, à ton sens, il va pouvoir se densifier correctement et avoir vraiment un feuillage important? Bah, en fait, plus ça va se ramifier, et plus on va le travailler, et plus les aiguilles vont être petites. Là, par exemple, celle-là, je ne les ai pas taillées, elles sont de taille raisonnable pour le. Alors qu'il y en a qui sont un peu plus grandes. On va dire que pour l'instant, il est encore un peu déséquilibré, mais plus tard, il va devenir de plus en plus mature, de plus en plus ramifié. Et puis, avec du travail. T'as pas d'inquiétude sur le feuillage vraiment précisément? Ah non, pas du tout. Faut pas se focaliser là-dessus. Ça va venir et au pire, on peut raccourcir les aiguilles. Ouais. C'est ce que j'ai fait sur le gros pain d'ailleurs. Sur le gros pain, exactement. Qui lui est un pain noir du Japon. C'est ça. Donc il est quand même très très fort et puis là, c'est quelque chose qu'on peut faire sur les pains. C'est pas un problème. Et puis lui, par rapport à celui de la première génération qui a un tronc un peu fin, ouais. Un peu balai, lui il a quand même un ébari super intéressant. Ouais. Et après là, le bois mort il a commencé à être fait, on va pouvoir améliorer un peu plus. Tu vas augmenter le chari? Je pense, ouais. Parce que là ça commence déjà à se refaire. Enfin, on voit les bourrelets là des deux côtés. Donc c'est pas mal, mais je pense qu'on peut aller plus loin. On peut rejoindre des jeans de ce côté-là aussi, on peut faire des trucs. Là, je vais mettre de la mousse aussi pour cacher un peu tout ça. Ok. Et ça sera. Et la mousse qui active aussi, qui active la pousse des racines, c'est assez hallucinant quand tu mets de la mousse. Hein, ouais. Sur. C'est pas spécialement la mousse qui active, mais en tout cas le fait que ça reste humide et couvert, oui, ça sèche moins vite. Ouais, c'est ça. Forcément, les racines avant. De là à dire que la mousse active les racines, voilà. C'est humide, il n'y a pas loin, mais ok, d'accord, oui, on s'est compris. Ça favorise. En fait. Oui, c'est pas la mousse. Ah, c'est bon. Bon, bah génial, super. Yusuke, what do you think about this tree? Good to me, very good. Yeah? Do you see a difference between this black pine and the Japanese black pine? Looks like same. Look like same? Yeah, same tree. Looks good. Ça ressemble. Alors lui, mais ouais. On voit que c'est un peu différent sur l'écorce par rapport à ça. Lui, il fait vraiment plus costaud, lui. On voit vraiment que c'est le pain noir d'Autriche. Ouais. Mais pourquoi ça voudrait dire que lui, tu penses que c'est, un cultivar, peut-être? On sait pas trop. Le truc, c'est que ça a été donné. Oui, c'est vrai. Oui, j'avoue que je connais pas l'histoire exacte
entre ce qui se dit et ce qui est vraiment. C'est vrai que là, quand on voit juste les aiguilles, ça ressemble vraiment beaucoup à un pain noir du Japon. Mmh. Mais après, c'est vrai qu'elles sont plus costauds, j'ai l'impression. On voit qu'il y a déjà une petite différence entre les deux. Mmh, mmh, tout à fait, ouais. Bon, mais donc lui, il va falloir quoi, 2 ans peut-être pour voir vraiment un gros changement maintenant que la mise en forme est faite. Oui, bah dans 2-3 ans, c'est vrai que les plants, c'est pas ceux qui poussent le plus, mais déjà lui, en quelques années là, entre le moment où il a été travaillé, c'était compliqué. Juste l'année dernière. Hein, c'est déjà entre l'année dernière et cette année, entre le rempotage, là c'est la deuxième fois qu'on met du fil. Oui. C'est déjà pas mal. Si on continue le travail. Bon, ben lui, de toute façon, il est dans la collection permanente des bonsaïs du parc floral, donc vous pourrez le voir. Et puis, avec son joli pot, là, c'est bien mieux. Donc après, on verra, il y aura toujours des trucs. Cette branche-là, pour l'instant, elle est un peu bizarre, mais elle habille bien l'espace. Mm-hmm. Et celle-là, elle commence à devenir... Enfin, elle est un peu balèze et j'aime pas trop son implantation. En fait, ça sort d'en haut, là, et ça redescend. D'accord. Peut-être que ça, on n'en aura pas besoin. Ah. Maybe this branch... What do you think? Maybe this one, we can put off, take it, cut, maybe cut. I don't know, because for now it's nice. Yeah. But maybe later. Yeah. Maybe some gin with it. Yeah, yeah. I don't know. Mm. Many possibilities. What do you think about? I'm watching so this plant, mm-hmm. wiring. Uh-huh. So looks like a snake. Okay. So small donc la type. Uh-huh. La ligaturée, qu'elle ressemble un peu comme un serpent avec un mouvement dessus. More compact. Yeah. Et qu'elle soit plus. Oui. Mm. Okay. Donc la ligaturée, Yusuke lui il pense plutôt la ligature et la faire bouger un peu. Pour le rendre plus compact. Peut-être rajouter un peu de mousse. T'as vu les mini champignons là? Il y en a un minuscule et il y en a un autre. Oh, excellent, attends, je vais essayer de les avoir. C'est vrai qu'ils sont tout petits. Very small mushroom. Yeah. Yeah, right? Very, very small. Là, c'était d'avoir au moins la silhouette. D'accord. Attends, je vais demander à Yusuke ce qu'il en pense. Yusuke, qu'est-ce que tu en penses à l'heure du travail de JP? Good morning. Good morning. Good morning. Bon, c'était parfait, il a kiffé.